كسب تأشيرة التأهل لكأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب هو الهدف الأول في أجندة الناخب الوطني كريستيان غوركوف. صرح الناخب الوطني في ندوة صحفية بالمركز الفني بسيدي موسى على أن مدة التربص قصيرة جدا لتحضير جيد. Écoutez, si on avait le choix, je préfère avoir un stage d'un mois hein, pour préparer le match. Mais bon, il faut, c'est les conditions, c'est comme ça, il faut s'adapter. Bon, après, comme je l'ai dit, il y a toujours un commencement à tout. Donc, on ne peut pas commencer, évidemment, s'il y a une compétition, si j'avais un mois de préparation, je pense que sur le plan tactique, on pourrait parfaire les automatismes. Là, on a un temps très court. C'est un challenge aussi pour moi de faire passer des idées sur 4 jours. Voilà, je suis assez optimiste quand même pour la capacité du groupe à intégrer, alors pas, peut-être pas de façon parfaite, mais enfin en tout cas certaines données. أمام الخضر مباراة مهمة بإثيوبيا في السادس من الشهر الجاري، تليها مقابلة ضد المنتخب المالي في العاشر من الشهر نفسه. يؤكد لاعبو الخضر على أن التضامن وروح الفريق الواحد حاضران. On a toujours été très solidaire, on a toujours été un bon groupe. Donc voilà, j'espère seulement que ça continuera parce que c'est une de nos grandes forces. On est solidaire déjà entre nous avant de l'être sur le terrain et voilà, c'est un match qu'on espère que on va ramener la victoire de là-bas parce que ça lancerait bien les matchs de qualification. تنتظر محاربي الصحراء رحلة في إفريقيا لافتكاك نقاط مؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.